Amis pèlerins, bienvenue à Conques, sur la route de Compostelle. Oh, ça va, tu n'es plus qu'à 1000 km de Saint-Jacques, à vol d'oiseau. Alors, tu t'arrêtes. Conques te propose ses ruelles, ses auberges. Et son abbatiale du XIIe siècle, l'abbatiale Sainte-Foy. Les vitraux sont du XXe, de Pierre Soulages, inventeur de la monochromie en noir. Tu t'inquiètes ? Oh, finalement, leur discrétion valorise la pureté de l'architecture. Tout autour du fameux tympan, le sculpteur a placé des petits personnages qui regardent. On les appelle les curieux. Et que voit-il sur le tympan ? Au centre, évidemment, le Christ. À la façon d'un chef de piste à Charles de Gaulle, il indique aux âmes des défunts par où se diriger, dans les hauteurs du ciel, dans le gouffre de l'enfer. Deux anges portent la croix du Christ. Ah, une main leur suffit. Ce sont des costauds. De l'autre, ils portent l'un une pointe de lance et l'autre un clou. Quatre anges mettent bonne distance entre le Christ et l'enfer. Ils portent des symboles. Le livre de la vie, l'épée de feu, l'encensoir, l'étendard de la victoire de la vie sur la mort. Pendant ce temps, deux autres anges sonnent le rassemblement des élus et s'avancent à pas lents leur majestueux cortège. En tête, tu reconnais Marie, de bleu vêtue, puis Saint-Pierre et sa clé. Ensuite, mais dis donc, c'est Dadon ? Ah, pas quelconque, le Dadon. C'est Dadon qui fonda Conques. Ensuite, c'est Bégon. Comme les couleurs se sont effacées, on ne sait si c'était un bégon vert ou un bégon jaune. Regarde, il entraîne Charlemagne par la main. Oh, celui-ci a l'air penaud. Il faut dire que lorsqu'on a fait égorger 4500 otages le même jour, on n'est pas sûr de mériter le paradis. « T'en fais pas, lui dit Bégon, je vais te faire passer. » Justement, voici la pesée des âmes, sous l'égide de Saint-Michel. La balance ne se voit plus, ne reste que les deux plateaux. Mais on voit bien que le démon triche et appuie du mauvais côté. Un ange à l'accueil, c'est l'entrée du paradis. Un diable qui frappe et enfourne les damnés dans la gueule du Léviathan, c'est l'enfer. Côté paradis, nous sommes dans la Jérusalem céleste. Au XIIe siècle, Jérusalem était considérée comme le centre du monde. Il était donc normal que le centre du paradis fût appelé Jérusalem céleste. Abraham siège au milieu, entouré de prophètes et prophétesses. D'ailleurs, dans l'église, un chapiteau montre Abraham s'apprêtant à sacrifier son fils. Que se passe-t-il au-dessus de tout cela ? Des colonnes, des arcs, un autel, c'est l'église de Conques. Sainte-Foy s'y prosterne, bénie par la main de Dieu. Les carcans suspendus rappellent que Sainte-Foy délivra des prisonniers. Dans l'église, un autre chapiteau représente l'arrestation de la sainte. La résurrection des morts se déroule
en sculpture animée. Le cercueil, d'abord fermé, s'ouvre de plus en plus. Un homme en émerge qui s'éveille. À l'opposé de la Jérusalem céleste, l'enfer, où Satan est le maître. Ricanant, le cheveu hirsute, impudique, il écoute un méchant rapporteur. Sous ses pieds griffus, un paresseux. Le crapaud est le symbole de la paresse. Le braconnier est passé à la broche, comme les lapins qu'il a rôtis. On arrache la langue du menteur ou calomniateur. L'avare est pendu avec sa bourse. Deux amants illégitimes sont ligotés par le cou. Un chevalier trop orgueilleux est jeté à terre, trucidé. Le glouton, pendu par les pieds, vomit ses excès de gourmandise. On arrache la langue d'un musicien qui a chanté des chansons paillardes. Mais tu remarqueras que les grands, les puissants, ne sont pas épargnés. Le roi est nu, sa couronne est arrachée par la gueule d'un démon. On arrache aussi la tiare d'un mauvais pape. Et se retrouve en enfer un seigneur qui s'était démis le genou en forçant la porte du cellier d'un abbé. On en passe, tellement ça grouille, ça crie, ça cuit, ça fume. Tout cela sous les yeux des petits curieux. À vrai dire, j'ai l'impression que les petits curieux regardent plutôt de notre côté, du côté de notre siècle, et qu'ils s'étonnent d'y observer les mêmes turpitudes chez les petits comme chez les puissants. Amis pèlerins, voilà de quoi méditer tout en marchant dès demain sur le chemin de Compostelle.